Au top rank de Bagnolet, la légende surveille le phénomène. Capitaine de l'équipe de France de boxe à 23 ans, Souleymane Sissoko fait partie des tout meilleurs poids welter du monde. Souleymane Sissoko, c'est l'homme qui monte. Voilà, aujourd'hui, il y a un renouvellement en équipe de France. On cherche une tête d'affiche. Bah, cette tête d'affiche, ça pourrait être Souleymane Sissoko. C'est en tout cas celui qui se révèle le plus depuis un an. Aux côtés de son coach, Ali Oubali, il se prépare une dernière fois avant la finale des championnats de France. Demain, sur le ring de Fontenay-sous-Bois, le Parisien combat à domicile. Avant d'être le meilleur au niveau international, il faut déjà être le meilleur dans son pays. Donc on va essayer d'arracher ce titre-là et derrière travailler pour une Olympiade. Tout ça, c'est, pour moi, c'est des étapes. Les championnats de France, les autres compétitions, etc. C'est des étapes Les Jeux de 2016 en ligne de mire, mais il faut d'abord régner en France. Champion en titre, Souleymane est favori. Face à lui, Daouda Sangaré, passé par les championnats départementaux et régionaux, avant de disputer le titre ce soir. Pendant trois reprises, Sissoko domine son adversaire, le maintient à distance. Ses frappes incisives touchent Sangaré qui reste debout. Désormais sans casque et sans scoring machine, les combats sont plus disputés, plus intenses, à l'image de cette plaie de Sissoko, déjà blessé à l'arcade lors des demi-finales. Mais la générosité de Sangaré ne suffit pas pour remporter le combat. Plus fort et plus fin techniquement, Sissoko est déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Il remporte son quatrième titre de champion de France. Souleymane, il a un statut en France qui est numéro 1 parce qu'il reconfirme son titre de champion de France de l'année dernière. Mais en dehors de ça, cette année, il a fait des résultats. Il a fait jeu égal avec le champion du monde à domicile au Kazakhstan. Il bat le médaille de bronze aux Jeux Olympiques dernièrement à Miami. Je sens que j'ai pris en maturité. Je sens que c'est un autre Souleymane qui est mieux en jambes. Je sens que c'est un autre Souleymane. Ça m'a fait grandir. Les championnats du monde, la WSB aussi. Donc voilà. C'est pas un adversaire que j'ai pris à la légère, mais j'étais assez confiant sur le combat. Déjà tourné vers les Jeux de Rio, la concurrence s'annonce difficile avec le retour d'Alexis Vastine. Mais bien encadré par les frères Oubali, Souleymane Sissoko connaît la voie pour continuer sa brillante ascension.